Gelot. 7h13 sur Europe 1, la revue de presse de Dimitri Vernet. Donc si je comprends bien, mon cher Dimitri, il n'aura pas fallu longtemps pour que les journaux mettent les Jeux Olympiques au rancard. Oui, c'est la course à Matignon qui fait la une de la presse ce matin. C'est mot pour mot le titre affiché par la Dépêche du Midi ou encore dans Ouest France sous le coup de crayon du caricaturiste Chonu montrant Emmanuel Macron dans les airs à bord de la vasque olympique. Sous le regard de ses conseillers, lâchant un chouïa exaspéré, va falloir remettre les pieds sur terre. Puisque oui, la fête est fini, comme l'écrit le Parisien aujourd'hui en France, et le président est rattrapé par le temps qui passe, affirme dans l'opinion Olivier Bacuzat. Les JO sont achevés, la trêve olympique terminée, et 5 semaines après les législatives, toujours pas de Premier ministre. L'éditorialiste ajoute, celui qui a toujours assumé un rapport au temps particulier ne pourra pas bien longtemps se soustraire à la triple pression qui s'exerce sur lui, politique, budgétaire et populaire. Le temps des JO, la frustration et la colère ont cédé place à la joie. L'exaspération pourrait faire son retour très rapidement. Mais alors, comment choisir un Premier ministre en milieu hostile, s'interroge Corinne Laïc dans le même journal. Eh bien pourquoi pas en s'inspirant de l'entente olympique des Jeux. C'est ce que laisse sous-entendre le Figaro ce matin qui nous relate l'hypothèse Valérie Pécresse à Matignon. J'ai entendu parler de ça, oui. Oui, des proches des deux responsables jurent qu'un rapprochement politique est à l'œuvre depuis ces Olympiades, jusqu'à murmurer que des rencontres régulières en tête-à-tête se tiennent à l'Élysée. Ce qu'on ne dément pas formellement du côté du château, qui laisse courir toutes les rumeurs concernant Matignon, hormis une, la nomination de Lucie Castet, la candidate désignée par le nouveau Front populaire qui, elle, ne décourage pas. Cependant, « je ne suis pas là pour plaire à Emmanuel Macron », déclare cette dernière dans un entretien aux Parisiens. En résumé, la situation ne se débloquera que par un baiser de Judas, conclut Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Pour avancer, il faudra une trahison au sein du NFP, sinon c'est le Front républicain qui sera trahi. Alors en attendant, les journaux, Dimitri, ne peuvent pas s'en empêcher quand même. Hein. Les Jeux Olympiques sont encore dans les quotidiens ce matin. Oui, mais plus les jours passent, plus les belles histoires se font la malle, on va dire. Fini les exploits sportifs, le succès touristique, les défis relevés de la sécurité et des transports. Place aux anecdotes un peu moins flatteuses. À commencer par celle racontée dans le magazine Le Point, qui nous parle de ce champion olympique irlandais, Daniel Vifon de son nom, touché par un virus à l'estomac 2 jours après avoir nagé dans la Seine. Ah, encore ? Oui, encore, et ce qui a obligé son hospitalisation. Ou encore de ce drame. Évité de peu lors du marathon pour tous, révèle le Figaro, après l'évacuation des spectateurs postés sur le pont Bir Hakeim par la police, remarquant que des boulons avaient, je cite, sauté. Ouais. Oh là là. Nous ne sommes pas passés loin de la catastrophe, glisse une source du proche du dossier, qui a pu constater que la passerelle tanguait dangereusement. Ouf. Ah bah oui. Bon, pour retrouver une anecdote plus sympathique, plus dans l'esprit olympique, disons, je vous propose de finir en lisant 20 minutes, le journal gratuit, qui revient sur la fameuse cérémonie de clôture, manquant quand même cruellement de rythme. Mm. Bon, ça va, c'est cruellement de rythme, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Joly, lui-même, hein, le directeur artistique dans l'équipe. Une cérémonie de clôture manquant de rythme donc, mais qui a tout de même reçu une médaille d'or. La raison, je vous donne un petit indice. Si vous n'avez pas reconnu, ce que vous entendez, c'est le titre Night Call, hein, du compositeur électro-français Kavinsky. Titre revisité avec l'artiste Angèle lors de cette cérémonie. Oui, c'est ça, ouais. Oui, reprise qui semble avoir plu au monde entier, hein, puisque le titre est devenu, écoutez bien, la musique la plus chasamée de l'histoire lors de son passage dimanche. C'est-à-dire qu'énormément de personnes ont voulu savoir en même temps. Mieux que Céron et Supernature. Donc c'est-à-dire qu'à 22h50, tout le monde voulait savoir quel était le titre de cette musique dans le monde entier. Et ça peut se comprendre vu comment le duo Kavinsky-Angèle fonctionne à la perfection. Ah, c'est chouette quand même. C'est très chouette, ouais. On ne s'en lasse pas. C'était bien les JO quand même. Ah ouais. C'était bien. Merci Dimitri Vernet, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30 tout à l'heure.